Amour sucré. Salut à tous, c'est mon Evelyne aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de... Petite voix de... voilà. Et la dernière fois, on était quitté sur un cliffhanger et donc du coup aujourd'hui on va faire la course aux révisions. C'est les examens du bac. Non. C'est bientôt les vacances, mais tu avais oublié les examens. Entre le bac, les c'est à cours la fin. Que... C'est l'épisode final, c'est le boss final. Non. Que tu ne retrouves non, plus l'agitation des élèves. Trouveras-tu le temps de réviser correctement? Réussiras-tu le test? Ce sera peut-être aussi l'occasion de jouer un tour à Ambre. C'est le dernier épisode du Let's Play parce que Mara va se vautrer et va être envoyée. Non. Bon, on était dans la salle des délégués. Ça, je ne te le dirai pas. Tu m'as menti après tout. Mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre événement qui se rapproche à grand pas. Suite. C'est une course d'orientation. C'est trop bien ça. Du coup, là, on va se balader dans la forêt. Arrête de me regarder comme ça. Quoi? Pourquoi est-ce qu'elle se prépare quelque chose comme ça? La course va être accessible même au personnel extérieur du haut lycée. Et comme leur participation sera payante, cela va permettre de récolter des fonds pour autre chose. Tu es horrible, tu peux vraiment dire un peu plus. J'ai déjà parlé de la course, c'est déjà pas mal je trouve. Et puis j'aime bien me dire que tu vas passer toutes les vacances à imaginer ce qui va se passer ensuite. Ça ne m'amuse pas, hein, les vacances. Bon sang, c'est vrai que les vacances c'est demain, Evelyne. Tu avais oublié, hein. Ce serait drôle que cet épisode sorte le jour des vacances. T'imagines, sur la rentrée. Non mais en vrai, il y a moyen, cet épisode, il est peut-être genre début mars ou quoi. Mais les vacances, c'est en avril. Début mars, c'est la rentrée, hein. Ça va être sympa. Tu dis? Tu avais oublié, hein, j'avais déjà dit. Non, pas du tout, enfin aussi. Tu es quand même très tête en l'air. Les vacances, enfin, aucun élève normal n'oublie ça. Il y a eu pas mal de choses ces derniers temps. Je ne me suis même pas concentrée sur les cours. Ah oui, les cours. T'as même pensé qu'il faut que je commence à réviser. Il serait temps. Réviser pour quoi? Elle est déjà repartie. Je ne sais pas si elle a parlé de la course d'orientation à tout le monde, mais j'ai bien envie d'en parler avec les autres élèves pour voir ce qu'ils en pensent. Ils en ont peut-être déjà fait. Vas-y donc, il n'y a plus de musique. Ah si. Alors, tu as réussi à convaincre Peggy de t'aider? Oui, j'ai pas posé mes questions à Nathaniel. Tu vois, je t'avais dit qu'elle t'aiderait si tu lui expliquais la situation. Ouais, j'ai quand même dû en souffler. Elle m'a appris quelque chose en tout cas. Lisa va organiser une course d'orientation. C'est vrai, j'avais entendu Peggy parler d'un grand événement. Je pensais pas du tout que ce serait ça. D'après ce qu'elle dit, il y aura autre chose encore. C'est juste un moyen de récolter les fonds. C'est vraiment une bonne nouvelle. Je me demande ce que sera l'autre événement. Oui, moi aussi. Une violette, non? Non. Katiel? Alors. Dis, Mara, tu pourrais me prêter tes notes pour le cours de Monsieur Forez? Oui, si tu veux, pourquoi? Je ne sais plus ce que j'ai fait des miennes. T'en fouilles dans mon sac pour retrouver mes cours. N'oublie pas de me les rendre. Oui, ne t'inquiète pas, merci. Sans belle discussion. Donc, ils vont bien au cours. Je viens d'apprendre quelque chose de super. Encore des informations sur moi. Non, ça n'a rien à voir avec toi. En fait, ils se sont organisés une course d'orientation. Vraiment? Il a sauté. Oui, pour la compta des fonds, je crois. Content de l'apprendre. Ce sera l'occasion de se voir dans un autre contexte. Discussion. Dégage, pensez de la marche. Il est là, lui. Tu ne devines pas. Ah, t'as tout bougé. D'ailleurs, c'est mal cadré. Je vais regarder, c'est d'abord. Tu ne devineras jamais. Quoi? Essaye quand même de deviner. Non, allez, accouche. Et ça va organiser une course d'orientation. Génial, profites-en pour te perdre pendant la course. Ça me fera des vacances. Merci du conseil, mais lui, t'es. Ça me ferait des vacances, moi aussi. J'ai un très bon sens de l'honneur. Du conseil. Tu devrais. Ça, ce serait rendre un service à la communauté. Ça va une discussion. Ça va même pas augmenter. Sympa, il te conseille de te pendre. De te perdre. J'ai appris quelque chose. Il s'est fait organiser une course d'orientation. Pourquoi est-ce que tu lui parles? Elle t'a trahi. Une course?
Oh non, je n'aime pas le sport. C'est pas du sport, la course en natation, faut abuser. Tu cours pas, hein, tu marches. Oui, voilà, c'est de la marche à pied. C'est de la course. Je ne trouve pas du tout. Les tenues de sport sont toujours affreuses. Ah, c'est pour ça. c'est juste pour ça. En fait, tu as parlé à Ambre. Oui, t'es pas obligé de lui dire ce que tu avais entendu. Et encore moi, je n'ai pas parlé qu'à Ambre. J'imagine qu'elle a été en parler à beaucoup de monde. Que non, tout mais pas ça. Tu pourrais me laisser tranquille maintenant, je révise. Ça m'est discussion. Mara n'a toujours pas. Mara n'a pas compris que non. Tout le monde était en train de réviser. Non. Rien de plus, une semaine nouvelle. D'après Peggy, il va y avoir une confrontation au lycée. Peggy ne devrait pas fouiller partout, comme elle le fait. C'était censé être une surprise. J'espère que tu n'en as pas trop parlé à tout le monde. Non, c'était quoi, trop tard. Plusieurs personnes sont au courant maintenant. De toute façon, si tu ne l'avais pas fait, c'est Peggy qui l'aurait raconté. Dommage, les professeurs avaient demandé à tous les délégués de garder ça pour nous. En tout cas, c'est génial, j'ai hâte d'y être. Tant mieux, j'espère que tout le monde sera de ton avis. Tant que ça nous fait manquer, cool. Je ne sais pas, c'est original comme idée après tout. Il ne devrait pas y avoir de problème. Original. Tu trouves aussi? J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus classique, mais c'est la majorité qui décide. Oui, dommage. Tu as autre chose à me demander? Parce que je suis en pleine révision. Toi aussi, vous êtes tous donné le mot, ma parole. Normal, puisque les examens sont demain. Tu ne t'en souvenais pas, tu ne t'en souvenais, n'est-ce pas? Après tout, c'est moi qui les a récupérés. Non, j'avais complètement oublié. Tu ferais mieux de commencer tes révisions. Oui. Tu vas passer tes révisions à Iris. Mince, il faut que je m'y mette, moi aussi. Comment on fait, du coup? Ouais, encore! Non, ça j'avoue! Eh, vous n'êtes plus court! Mademoiselle, j'accepte que les élèves restent au lycée pour éviter par erreur! Pour papa, erreur! Dans les élèves! Pas pour erreur! Oui, madame! Tant pis, je réviserai chez moi. T'as pas les cours? Je suis revenu au lycée le lendemain avec une boule au ventre. Les examens sont cet après-midi, il faut que je retrouve Iris pour lui reprendre mes cours! Comme je lui ai prêté, je n'ai pas rien pu réviser. C'est abruti, là. Bon, espèce d'imbécile. Tu es vraiment le pire des idiots. Des idiotes, pas mortes. Où elle est, Iris? Elle n'est pas dans la salle de classe. Prête pour les examens. Si on veut. J'avais oublié qu'il y avait qui serait lié au joli. Je pense que la nuit à réviser. Mais elle vient de dire qu'elle avait pas révisé. Mara, t'inquiète pas. Je vais réviser dans sa tête. Moi aussi, j'avais oublié. C'était la chose importante dont je devais me souvenir. Heureusement, Castiel m'en a parlé avant que je rentre. Moi, c'est Nathaniel qui me l'a rappelé. Au moins, je ne suis pas seule. Il t'en a parlé. Moi, il m'a rien dit. Au moins, je ne suis pas seule. Et non. Et c'est bon, tu as pu les viser. Tu es sûre que tu vas laisser les examens du coup? Bon, tu as pu les viser. Bien sûr, j'ai relu les cours et j'avais besoin de réviser. Et tu penses que ça va aller? Je ne fais pas plus de soucis que ça, de toute façon je les aurais oubliés. En même temps, je n'ai encore jamais vu s'inquiéter vraiment pour quoi que ce soit. Même son verre. Mais pourquoi tu me sens du sang? C'est du sang. Pourquoi du sang? Passe-moi un sopin. Je me suis mis du sang de volaille sur moi. Ça sent pas bon. Putain, mais il y en a beaucoup en plus. Oui, bah tu es mouillé. T'as pas. Non. Une corde. Une corde pour se pendre. Non, ça n'y aura pas. Allez. Alors, prête pour les examens? Ouais, si on veut. Alors, faut répondre non, du coup, parce que t'as pas respiré. Respire, c'est qu'un examen de fin de trimestre. Si tu te plantes, c'est pas la fin du monde. Ouais, c'est vrai. Je vais pas me prendre la tête. Je préférais ne pas me planter quand même. Chut, parle-moi le moins possible. Il faut que je me concentre sur ce que j'ai appris hier. C'est vrai, je ne veux pas me prendre la tête. T'es trop influençable comme l'année. Non mais je m'a dit non, qu'est-ce c'est pas ce qu'il veut lui hein. Tu n'en as pas vu lui, je la cherche. Non, mais je peux te dire où est Ambre. Laisse tomber. Tout est logique. Ambre, elle va lui raqueter ses cours. Qu'elle a pas. J'ai oublié de te demander, tu n'en as pas vu lui. Je me lave les mains.
Alors. Attends, je suis trop loin, je m'attache. Elle s'attache. Retire tes pieds de moi. Mais c'est ma marche. Toi, t'es assez grand, du coup, je dois faire, toi. Oui. Mais je touche pas par terre. Moi, je peux faire comme ça. Bon, vas-y. Non, mais laisse-moi faire ma marche. Elle était au fond du couloir en train de chercher quelque chose. Elle s'est dit, arrête de faire, je peux pas marcher. Oui, parce que je me rendais. Elle était au fond du couloir en train de chercher quelque chose dans son casier tout à l'heure. Pourquoi ? Ah, elle est cool, qui me manque ? Elle a besoin de le dire avant l'examen. Avant les examens ? Tu devrais aller la chercher là-bas alors. Mais elle a peut-être bougé depuis. Si ça fait une heure, ouais, possible. Ça m'aide pas beaucoup tout ça, mais merci quand même. Tu as l'air assez anxieuse. Si c'est à propos des examens, ne t'inquiète pas. Tu es une fille intelligente. Oh oh oh, j'ai le droit de me moquer un peu. Je rigole beaucoup. Je suis sûre que tout se passera bien. C'est même pas un narrateur qui a rigolé en premier, c'est Evonie qui s'est moqué. Oui, mais c'est parce que c'est très drôle. T'as pas l'excuse. C'est très drôle. Je sais que je suis. Oh 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 oh. Pourquoi narrateur a rire? Pourquoi est-ce que narrateur a le rire du Père Noël? Oh, je sais pas. Vraie question. Peut-être. Parce que tu ne sais pas que le Père Noël est un dictateur aussi. C'est mon grand-père. Cool. Allez. Je sais que je suis intelligente. J'ai pas besoin de me le rappeler. Sorti. Je ne sais pas comment tu fais pour les Toscan. Merci, mais je ne suis pas anxieuse. J'ai juste un peu peur de rater mes examens. Sorti. Je ne sais pas comment tu fais pour les Toscan. À t'entendre, on pourrait croire que je suis insensible. C'est pas ce que je voulais dire, désolé. C'est pas ce que je voulais dire, désolé. Mais what, il a fait... T'as perdu 15 points. C'est plutôt lui qui a l'air anxieux. Bah dis donc. Il est pas dans le cahier, évidemment. Pourquoi t'as fait des allers-retours? Ça me reste tellement longtemps. Tu sais, tu sais pas qui c'est. Tu tombes bien, ça va? Tu as bien dormi? T'es en pleine forme? Oui, tu es malade? Non, pas du tout. J'ai le droit de demander à une camarade de classe comment elle va. Ça me paraît louche tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu as vu les examens, n'est-ce pas? Quand tu les as rendus à mon frère, tu les as regardés ou non? Tu te souviens de réponse? Non, je ne les ai pas regardés. Je ne suis pas comme toi. Je ne les ai pas regardés non plus. Personne n'était censé les retrouver. On ne peut pas dire que tu les avais très bien cachés pourtant. Je pensais que tu allais enfin pouvoir me servir à quelque chose. Allez, pousse-toi. Il faut que je trouve un autre moyen de réussir mon examen. Si tu apprends tes leçons, ce ne serait pas plus simple. Je n'ai pas eu le temps. Dis-moi donc que tu avais la flemme. Bah là, moi, espèce d'abruti, si tu voulais lui jouer des tours, c'était maintenant. T'avais qu'à lui dire des fausses réponses. Ouais, je suis en train de tricher, ton embrouilleux. Ouais, envoyer l'établissement. Dit-elle avec un sourire. C'est vrai qu'elle avait l'air d'avoir le sourire quand elle parlait. Elle était en train de parler d'un moyen de tricher. Hé, on t'a jamais dit que tu pouvais que de ne pas écouter les conversations des autres. C'est la putain qui se fout de la charité. Quelque chose a l'air de contrarié. Où est-ce que j'ai laissé mes affaires? Je crois que je vais chercher Iris toute seule. Déjà, elle a perdu ses affaires. T'es dans les affaires, Iris, je la cherche. T'es toujours en train de chercher quelqu'un, ma parole. Non, je l'ai pas vue. Elle doit être dans une salle de classe à réviser aussi. Si jamais tu la vois, dis-lui que je la cherche, c'est urgent. Tu m'as pris pour un coursier. Non, ça demande juste un service. Ça va, je ne te demande pas non plus la merde à boire. Si je lui dis, tu me lâches. Pas obligé de le prendre comme ça. Très peu intelligent avec Castiel, hein. Mais il y a aussi des gens à faire. Pas du tout, c'est moi. Mais elle est pas dans la classe. Peut-être qu'elle est dans les fleurs. Elle était cachée derrière les escaliers depuis d'accord. Ou alors dans une autre salle. Salut Mara. Salut Lily, tu as mes cool avec toi. Non, j'ai oublié la maison. Oui, bien sûr.
C'est très gentil de ta part de me les prêter. Les autres les avaient gardés pour réviser. Oui, logique. Je les aurais gardés aussi si je m'étais souvenu qu'il y avait les examens. Tiens, et les voilà, on te remercie. Elle m'a rendu mes cours. Tu pourrais vraiment augmenter un peu la barre là, hein. Je vais chercher un endroit au calme pour réviser. Tu veux pas la pécho? C'est pas une option, donc non. Pose-toi, tu gênes le passage. genre, Mara est. Elle fait la taille de tout ça. Genre. Bon, d'accord. Bah oui, bien sûr, princesse. Tu perdras tes grands airs quand tu verras Cassel. À ta place, je ne le ramènerai pas. Pourquoi ça? Oh, je ne sais pas. Peut-être que je lui ai parlé que malencontreusement, j'ai répété ce que tu m'as rapporté, Cappuccino. C'est que t'as... Attends, t'es mal de ce que j'ai dit à la soirée. Tu penses vraiment que j'allais laisser ça sous silence? On est quitte comme ça. Tu m'as fait renvoyer, je n'ai fait que rendre la monnaie de ta pièce. Tu as passé l'âge de ces gamineries. Oh, tu trouves? Et toi, tu as pas passé l'âge de faire des pyjamas parties? La prochaine fois, tu réfléchiras deux fois avant d'essayer de me faire un sale coup. Espèce de... Canard. canard. Pute. Bon sang, il faut que je la rattrape. Le coup. Quelle plaie, cette fille! Il faut que je la rattrape, le coup! Pas la casser pour attraper la bêtise d'angle. Oh, bon, lui a tout raconté alors. Je fais comme si je ne savais rien, je lui en parle. T'as moins de temps, quoi! Je pense que là. Faisons. C'est l'heure du choix, le plus important du let's play, c'est pour ça qu'on va faire. A pile B face. B. Face. Je lui en parle. Vas-y. Dis, Hamlet, c'est ce que Hamlet a dit. Ah, cette blague. Je crois que j'ai jamais autant rigolé. Qu'est-ce qui lui a appris de dire des trucs pareils? Tu ne l'as pas cru? Non. Tu es stupide, mais pas au point de t'en. De quoi? De t'enticher. D'un garçon qui te déteste. Tu ne me détestes pas, si? C'est un grand mot, mais je te trouve franchement gonflante. Ah oui, bon, on est parti de mauvais pied, c'est vrai. Complètement. D'ailleurs, s'attacher à quelqu'un qui t'apprécie autant que moi, j'appelle ça du majestique. Ouais, quand tu te jolles pas, on va aussi changer de sujet. Non, ça se voit pas. Tu devrais t'y mettre quand même. Pas besoin de réviser. Par contre, je pensais qu'à cette heure-là, toi, tu serais le nez dans tes bouquins. Il y a toujours quelqu'un en train d'aviser là où je vais. J'aimerais bien, mais pas moins trouver un endroit calme. Ça veut dire que toi, tu me gênes. Je cherche un endroit tranquille pour le faire. Ça veut dire, ici, c'est pas un endroit tranquille. Donc, du coup, c'est forcément la première réponse. Tu imagines ta bête? C'est n'importe quoi dans ce cas-là. Il y a toujours quelqu'un qui est en train d'aviser là où je vais. Normal, à quelques heures. discussion. C'est la moins pire, effectivement. Merci de m'avoir prêté tes cours. Bah, de quoi, excuse-moi, mais tu comptes rester ici? Oui. J'aime bien être au gymnase pour relire mes cours, pourquoi? Qui se met dans son gymnase pour regarder? Tu viens de lui rendre! Tu peux pas les réviser! Mais non, c'était certains cours, c'était seulement ceux de Monsieur Varese. Je crois qu'il est prof d'histoire. Mince! Pas du tout. Moi aussi, j'aimerais bien tout louver, hein, on va pour réviser. C'est vrai. Je pense. Ah, d'accord! Hein. Mais oui! C'est une lunette! Non, c'est la tête! C'est physiquement, je sais pas, c'est l'air. Vas-y. L'air con. C'est pas méchant! Tu vois l'insulte du prof d'histoire! Non, c'est pas vrai! Je sais pas, mais lui, il a une tête à un prof d'histoire, mais. Lui, et voilà! Je pense que. Faut que je boive. Je pense que tout le monde est dans le même cas. Dès que j'ai terminé, je te laisserai la place. Mais ce sera trop tard, voilà. Allez, on va dormir dans le camp. Non, décidément, il y a toujours quelqu'un où que j'aille. Moi aussi, je suis contente de te voir. C'est un réel plaisir. Oui, mais d'habitude, tu as du mal à croiser quelqu'un et là, tout le monde occupe une pièce. T'es jamais contente, hein. Si, mais c'est meilleur pour les visions au calme. Ben, ici, c'est pas la peine. Tu voudrais pas ton année. Je ne te ferai pas ce plaisir, non. Fermez la discussion.
Non, il dort ici, il peut pas. Ah, salut Mara. Salut, tu dessines? Non, je révise. Pour le temps, tu entends dessiner là. J'essaie de me rappeler ce que je dessinais en cours lorsque le professeur parlait. Tu dessines pendant l'école? Bah oui. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. C'est pas une excuse ça. D'accord, tout le monde dessine. Il lit un magazine. Encore? Ce n'est pas ici que je vais pouvoir réviser. Mais il fait pas mais de bruit. Il lit un magazine. Il est en train de dormir sur son banc. Il dort sur son banc. Je ne vais pas réviser dans le couloir. Bah si. Pourquoi pas? L'escalier. Et à la fleur. Au fait, je lui ai pas demandé, mais la mélodie, elle m'en a pas voulu de pas pouvoir venir chez elle l'autre coup. Non, pas du tout. En fait, on en a pas parlé. Ça va. Putain, elle me stresse avec ces phrases là, c'est pas du tout correct. C'est que ça. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Ça va, c'est que ça a pas dû la traumatiser. Comme la discussion. Ce fut compliqué. Je devrais retourner voir les garçons. L'un d'eux me laissera peut-être sa place. Non. S'il avait eu Ken, Ken t'aurait laissé la place. Jamais de travailler. Non, je ne suis pas en train de lire des cours, je lis un livre. C'est vrai, quel genre de livre? Ah oui, j'ai tellement l'habitude de te voir l'entendre étudier. Tu ne voudrais pas t'amuser un peu au lieu de les faire vraiment lire? C'est vrai, quel genre de livre? Un roman policier. Je lis beaucoup de romans. Attendez, policiers. C'est son truc préféré dans les Pokédex. Ouais, hein. Exactement. Il déteste les sucreries. J'ai révisé. Moi aussi, j'aime beaucoup les romans policiers, c'est mon préféré. Rien de plus barbant, quoi. Tenez, il y a un autre, il y a plein d'autres genres. Oui. Elle a rien dit. Je sais, mais c'est le genre de livre que je préfère. J'adore essayer de savoir qui est le coupable avant la fin du livre. Moi, je préfère imaginer les mondes qu'on retrouvera dans le genre fantastique. C'est vrai que découvrir petit à petit comment un crime a été commis est génial. Moi, je préfère les histoires pleines de rebondissements qu'on le trouve dans le roman d'amour. Les romans d'amour. Les romans d'amour. N'est-ce pas? Hey, t'as 7 avec lui. T'as 7. T'as vu, t'as 7. T'as gagné 10 points. T'es à moins 3. Oh. J'ai le magazine. Mais qu'est-ce qu'il lit quoi comme magazine? Moi, ça me fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Je révise. Jusqu'à présent, je cherchais mon carnet. Je l'avais pas encore perdu. Je l'avais encore perdu. Je ne ferai aucun commentaire maintenant. Je vais commencer mes révisions. Tu n'avais pas encore révisé? Ouais, comme tout le monde. Mince, je voulais commencer moi aussi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je m'énerve tout le temps dans un endroit tranquille. Ça va être difficile avec les examens qui arrivent. Ça va être discussion. Mais genre, ils révisent le jour même et les examens c'est quand en fait? Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez fait un like, fantastique, vous avez fait. Sinon, il y a un sur Twitter, juste comme dans la description. Dans un prochain live, dans une prochaine vidéo, c'était moi. Bye. Et bye tout le monde. Bye.